now. Deux contre Origin. Et ils ont jamais perdu une game des World pour l'instant. Allez, on est parti dans la game. Le public, l'équipe bleue donc qui banne Elise, l'équipe rouge qui va bannir GP. On va sans doute avoir un ban mort de Kaiser. Ban Fiora côté équipe bleue. Le ban mort de Kaiser qui devrait pas tarder à tomber. De toute façon, ce perso est bien trop fort actuellement. Il te change le cours d'une game à lui tout seul grâce à ses Drake. Le ban Tahm Kench fait par le first pick de l'équipe rouge. Donc on nous reste encore Lulu, voilà, Mord qui va partir. Il nous reste encore Lulu. Qu'est-ce qu'il y a dopé? Il y aurait Lulu à ban, on pourrait... Non, Darius n'est plus dans la liste des ban. On peut potentiellement penser à des bruisers qui sont particulièrement forts actuellement, comme Olaf ou Riven, qui sont ban de temps à autre. Mais là vraiment, en most ban, peut-être une Kalista. Peut-être une Kalista, peut-être une Riven, un Rengar peut-être. On ne sait pas, et c'est Darius qui va Darius être ban. Qui tombe. Je suis vraiment pas fan de ce ban. Ouais, c'est vrai que ce n'est plus vraiment aussi fort que ça a été avant avec la réduction de la range de son Q-spell. Mais il semblerait que ça soit toujours fort, ça fait toujours énormément de dégâts évidemment. Le first pick équipe bleue qui va bientôt être sélectionné. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le Gnar qui va être sélectionné et le Gnar qui est lock directement pour l'équipe bleue. Qu'est-ce que tu penses de Gnar au top? Je pense que c'est un champion qui est extrêmement fort et extrêmement viable compétitivement et qui a très peu de match-up négatifs. Après, ouais, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Le first pick comme ça, c'est s'exposer à un counter-pick Irelia. Et le counter-pick Irelia qui va sans doute tomber. On va pick Thresh côté équipe rouge. Et la Irelia qui va sans doute être lock. Il reste 10 secondes. Je pense pas qu'il y ait vraiment intérêt à prendre autre chose. Oh, Yasuo, pourquoi pas. Yasuo également. Yasuo et Irelia sont d'excellents picks contre Gnar. Tandis que le wall va empêcher Gnar de récupérer son boomerang. C'est ça, il aura en plus de ça énormément de mobilité, ce qui lui permet d'éviter son boomerang assez facilement. Il a son wall pour bloquer boomerang et les auto-attaques du mini Gnar. Et le plus intéressant, c'est que tu peux te permettre de max le E avec Yasuo pour gagner les trades en early. Et Gnar n'a pas de résistance magique supplémentaire sous sa forme de mini Gnar et ça permet de le burst. C'est ça, allez, dans l'équipe bleue, on va sélectionner potentiellement la bot lane. On va partir peut-être sur le jungle. Un Zac qui est présélectionné, il n'est pas encore lock. C'est vrai que Zac a été sorti hein, dans la demi-finale des Worlds par les... par les Koo Tiger, par Ojin, contre justement les Fnatic. Il avait fait un très bon taf et le Zac est lock ainsi que la Jinx. Donc la Jinx qui sera l'ADC de cette team bleue. Qu'est-ce qu'on va prendre en réponse à ça côté team rouge? Qu'est-ce qui est fort contre Gnar, contre Zac, pardon? Bah, c'est un pick tellement nouveau et tellement récent, on connaît pas vraiment encore ses counter picks ou ce qui permet de le battre. On sait qu'il a une capacité d'engage extrêmement élevée, qu'il est bien d'avoir une ou plusieurs AOE pour le tuer quand il est dans sa forme de passif. Le Teemo, est-ce qu'il va être lock? Est-ce qu'il a été lock? Le Mastery a été lock, le Teemo, pourquoi pas le Teemo? Au top? Ah, c'est ou au vraiment. Non, ça sera un écho. D'accord. Ok, un écho. Et le Metrui qui ira certainement jungle. Je suis pas fan de Metrui et Yasuo dans la même équipe en fait. Et ça fait deux speed pushers. Ça fait deux speed pushers et on le rappelle hein, tout à l'heure, à 10h, le concours de cosplay League of Legends évidemment. Vous pouvez venir sur le stand ESL Arena. On vous attend. Alors qu'est-ce qu'on pourrait l'aspirer comme des carrés du côté de l'équipe Red? On sait qu'on est face à une Jinx, on sait qu'en face il y a beaucoup de rush et de burst. Il faudrait un AD carry assez safe, capable de deny Jinx en lane. On a le Fizz qui a été sélectionné. Pourquoi pas un Graves? Pourquoi pas un bon vieux Graves? Et le Nautilus qui va être pick lui aussi. On a énormément de CC quand même là côté équipe bleue. On a pas mal de dégâts, Fizz et Jinx qui sont deux persos qui font énormément de dégâts. En plus ça, Gnar n'est pas non plus absolument sans dégâts. Côté équipe violette, il nous manque l'ADC et une Tristana, ça me semble correct. Jinx contre Tristana, c'est le match-up pour moi le plus courant actuellement. C'est vraiment ça. Le combat des deux meilleurs hyper carry dans la méta actuelle. C'est ça, je pense qu'il est un peu à l'avantage de Jinx,
et en early game jusqu'au moment où Tristana commence à avoir un peu de range, un peu de level dans son E, et là le matchup s'inverse totalement. La Tristana qui va donc être sélectionnée. On va partir sur, pour l'instant il n'y a pas de jungler, j'imagine que le first pick va prendre un smite avec son maître E pour être dans la jungle. Mais pour l'instant les compos sont plus ou moins classiques, la compo violette qui quand même se base énormément sur l'auto-attaque. Hein. Oui, je pense que du côté de Nautilus ainsi que de Gnar, il va falloir penser à ce qui est de cœur gelé et rondouin. C'est ça, un rondouin, peut-être une tornmail aussi hein, contre Yasuo, le triple AD de toute honnêtement, façon. La compo raid, s'il n'arrive pas à se mettre vraiment en avance, en early game, je vois pas comment elle peut gagner. C'est vrai, allez, on va regarder un peu les runes et maîtrises. Le maître Yi, alors sur quoi il part? Alors 35 vitesse, pourcent de vitesse d'attaque. Et 9 d'armure. Et 9 d'armure, d'accord, donc des runes assez classiques. Ça lui permettra un clean de jungle extrêmement efficace. C'est un choix qui se tient. La Tristana, elle part sur des runes 8 de dégâts physiques, 9 d'armure, 14 d'attaque speed et 12 de résistance magique. Encore une fois, des runes très classiques sur les ADC. Au mid, alors ce Echo qui va partir sur des runes puissance par level, pénétration magique, armure, résistance magique et puissance flat. Donc j'imagine que la puissance flat est en quinté, voilà. Des runes assez originales pour le coup sur la mid lane, on prend pas vraiment de CDR par level. Si, attendez pas. Sur le Yasuo. Ah, au niveau du Yasuo, ça m'intéresse beaucoup. PV par level, dégâts physiques, vitesse d'attaque et résistance magique, d'accord. Pas d'armure contre Ragnar, c'est assez osé franchement. Le Thresh qui a des runes de support classique avec de la régénération de PV par 5 secondes. C'est assez original pour le coup, deux quintessences de régénération de PV. Non, ces runes n'ont absolument rien de classique pour un support. T'as de la régène PV, t'as des PV par niveau, c'est pour moi pas du tout opti. Et au niveau... Attends, ça c'est qui? C'est le Zac. Donc le Zac, il est parti sur de l'armure, des PV, de la résistance magique, des runes bien bien tanky. Le Gnar, qu'est-ce qu'il nous a pris? Des PV, de l'armure, des dégâts physiques et de la résistance magique, encore une fois, des runes assez classiques. Mais une quintessence armure pour atteindre le palier des 13 d'armure, c'est assez intéressant, ça lui permettra d'être extrêmement tanky en early. Je vois mal comment Yasuo peut réussir à gagner sa lane. Et le Fizz qui part sur de la paix, de l'armure, de la pénétration magique et un petit peu d'AP. Ouais, on a un mix entre de la résistance magique et de l'AP. On va essayer de gratter un peu plus d'AP pour avoir 3 d'AP supplémentaires, mais bon, ça fera pas une différence énorme. C'est ça, et le Nautilus qui part sur des runes full tank, encore une fois, armure, PV, résistance magique. Une page de runes assez standard sur tout ce qui est eh bien, tanky. Ah, j'aime beaucoup la page de cette Jinx. Et la Jinx qui part sur de 17 d'attaque speed, 8 d'AD, 9 d'armure et 5,4 de résistance magique. C'est vrai que c'est pas mal, on sacrifie un peu de résistance magique au profit d'un peu d'attaque speed. Pour au final eh bien, faire un peu plus mal mais prendre un peu plus de dégâts après. Je trouve ça assez efficace et puis ça permet de stacker la Geltine beaucoup plus rapidement. C'est ça, et en plus de ça on a pas énormément de dégâts magiques en général sur la bot lane. Et pour le coup on a un Thresh et un Echo, donc ça fait pas énormément de dégâts magiques non plus. On va voir ce que ça donne dans cette game, on est bientôt commencé. Elle va bientôt commencer du coup dans 15 secondes. La compo violette qui est quand même en mode double split push. Oui, c'est ça. Et sans vraiment de wave clear. Qui peut être assez efficace s'ils sont devant et s'ils arrivent plus ou moins au late game. Tandis que la compo de l'équipe bleue pour moi est beaucoup plus viable, beaucoup plus standard. C'est-à-dire que si on part sur une game avec peu de kills, peu d'action et un farm assez even, ils vont gagner à 100%. C'est ça, parce qu'on va tout simplement avoir des tanks qui vont être intombables. Hein. Il va falloir build des BOTRK, mais en face, si c'est malin, ça fait de l'armor. C'est pas le Echo qui va pouvoir shutdown un Zac, un Gnar et un Nautilus. Donc si on rush directement de l'armor, par exemple un Rondouin, une Sunfire, un Corbe, ça peut être très très difficile pour cette team rouge de tomber les gros tanks de l'équipe bleue. Allez, on est parti du coup dans cette game, on va mettre les match-ups face à face du coup, la Tristana contre la Jinx au bot, c'est bon, au mid c'est bon, en jungle c'est bon et au top c'est bon. Nickel, donc on va partir dans la game, j'imagine qu'il n'y aura pas vraiment d'invade, les joueurs sont sûrement occupés à faire leur binding actuellement. Oui c'est ça, ils sont sur de nouveaux PC donc il faut refaire les touches, il faut régler la sensibilité, il faut faire ses réglages, tout le monde a ses propres réglages et ça prend un petit peu de temps, ça fait que lors de ces games en général il n'y a pas d'invade. C'est ça, et on a un Thresh qui est parti sur une pièce antique. Donc une génération de gold quand les creeps meurent, mais ça offre pas vraiment de stats. On le voit, 25% de régénération du mana de base.
c'est vraiment très peu quand on compare ça aux 75 HP qu'offre le bouclier de le bouclier relique, le Targon donc, et en plus de ça, ça il rend des HP. Oui c'est ça, ça offre une sustain à ton AD carry et ça te permet de vraiment contrôler la wave vu que ça peut te permet de push dès que tu en as envie. C'est ça, donc le relique qui clairement intestable je pense actuellement en termes d'item support. Après c'est vrai qu'on a l'item bleu qui permet de faire plus de dégâts, donc le Zac qui va commencer bot side. On va avoir Yasuo qui va faire un camp. Maître Yi va lui aussi start bot side. Est-ce qu'il va prendre le group à son équipe? On le voit, Maître Yi qui a 0,95 de vitesse d'attaque au niveau 1. Oui, c'est très rapide hein, quand même. Hein. C'est extrêmement puissant d'avoir autant d'attaque speed au niveau 1. Après, il va le payer dans le sens où il n'aura pas de résistance magique, donc il sera vraiment sensible au burst et aux dégâts de base de Zac, Fizz ainsi que Nautilus. Et en plus, il n'a pas de PV par niveau. PV par niveau qui sont vraiment des runes très importantes. Et oui, en plus, ça vous rend tanky en late game quand vous avez de l'armure, etc. Donc ça rentabilise encore mieux les points de vie que vous avez. Sur la mid lane, ça va se poke tranquillement. Ce match-up, ça va être assez agressif en mid lane. On parle de deux mêlées assassins. C'est ça, et au niveau 6, je pense que l'avantage va sûrement être à Ekko. Ekko qui peut absolument cancel les dégâts du burst du fish, hein, étant donné qu'il peut ulti et se rendre intargetable. Donc je pense que le match-up va lui revenir en mid-game, enfin au niveau 6. C'est ça. Après, avant, ça risque d'être un peu compliqué. Et sur les poteaux derrière le public, ainsi que sur les panneaux latéraux, on va avoir des QR codes à scanner. Donc avec votre téléphone, vous le scannez et vous gagnez directement 750 RP sur votre compte. Donc je crois qu'il n'y a pas de tirage au sort, hein, c'est juste vous gagnez 750 RP. C'est-à-dire avec Riot. C'est bien sur ça. La top lane, on met beaucoup de pression quand la même top lane sur ce Yasuo. C'est vraiment atomisé pour le moment. Le Yasuo qui lui a fait un camp est arrivé niveau 2 sur la lane avec 5 potions, tandis que le Gnar n'avait pas fait de camp, était niveau 1. Du coup, le Yasuo a pu prendre un trade de lane et totalement snowball là-dessus. Et ça là, donc le Yasuo qui est très très bien sur cette top lane, on le voit, hein, le Gnar qui n'a pas le droit de s'avancer. Sur cette mid lane, ça se trade beaucoup quand même. Hein. Un match-up très très agressif. Et sur sa bot lane, là, on a. Oh, ça veut tenter un peu d'égo. Au niveau de la bot lane, ça va être compliqué parce qu'on a deux AD carry qui ont besoin de scale, ont besoin de temps pour devenir puissants dans la game, avec devant eux deux supports extrêmement tanky qui apportent énormément de CC. Honnêtement, je pense qu'il ne peut absolument rien se passer avant le niveau 6. C'est vrai qu'avant le niveau 6, ça risque d'être assez compliqué. Yasuo qui continue de mettre de la pression sur cette top lane. On voit qu'il a déjà le double de farm de son adversaire. Il met encore un petit poke. Et sur la mid lane, toujours énormément d'agression entre cet Ekko et ce Fizz. Dans la jungle, on va back côté Zac. Pendant ce temps-là, on est toujours en train de farm au niveau du maître Yi. Il a 12 creeps, il va avoir 13 creeps après avoir fini son camp. Et du coup, eh bien, il va avoir quand même une petite avance au gold par rapport à ce Zac. Pour l'instant, on a une différence de 300 gold, pas énorme, mais c'est juste une différence creusée au farm. C'est bien ça, c'est surtout venant de la top lane, je pense, parce qu'on là, on peut vraiment voir que ce Yasuo domine sa lane à un point assez inimaginable, honnêtement. Aussitôt dans la partie, je pense que ça annonce vraiment du mauvais pour Gnar. En plus de ça, il s'est fait counterpick. C'est vrai que là, on est à 11 à 21, donc le Gnar qui est vraiment dans le mal sur cette top lane. Au bot, tranquillement, c'est even, 24 à 20, les creeps sont en train de push, donc ça va s'égaliser. Ça cherche même pas à s'agresser, en fait. Oh, on tente le hook, ça va toucher sur la Jinx qui se fait go-in par la Tristana qui met énormément de dégâts, et on va disengage, on a la Tristana qui a été forcée de heal, on a toujours tous les summoners sur cette Jinx, et on va continuer de push tranquillement. Pour l'instant, une avance au farm pour la Tristana, mais attention, qu'est-ce qu'il fait ce Nautilus? Il veut go directement sur la Tristana. La Tristana qui n'a plus de jump, la Tristana qui est obligée de flash out. On a catch le Thresh qui va se prendre un bon burst de dégâts et on va disengage. Donc là, le trade a été complètement gagné pour la botlane rouge. Totalement bleu, gagné, pardon. On parle de deux sorts d'invocateurs à zéro et non, ça n'ira pas plus loin. Yasuo qui cherche vraiment à mettre une énorme pression. Juste de la pression sous tour. Oh, c'est dommage, le Fizz qui se prend une auto-attaque de tour. La mid lane Ekko qui est quand même un peu dans le mal pour l'instant, mais c'est normal, Fizz a le match-up avant le niveau 6. Attention, le très bon hook de la part de ce Nautilus, et ça ne va pas suffire. On n'a pas d'Ignite, là c'est Ignite popait. Il était bien bien mort, hein, cette Tristana. Et attention sur la top lane, on va peut-être vouloir go, on va pouvoir dash sur les creeps, et non, on va pas pouvoir aller plus loin. Là, le 2, clairement, attention, le Yasuo qui contre, gagne sa lane. Le attention, Zac le Zac. Le Zac qui est là, le Zac qui va go in, le Zac qui va sans doute récupérer kill. Oh, le très bon flash de la part de ce Yasuo qui va pouvoir s'en aller. Très très bon escape là-dessus. Yasuo qui joue particulièrement bien et on ressent qu'il y a quand même une grosse différence de skill entre les deux joueurs. Je me demande quel est l'élo respectif de chacun. Eh bien, moi je sais qui est ce Yasuo. Qui est ce Yasuo? PCS Tonnerre.
C'est vrai? Ouais, c'est. Il m'a dit avant la game. Ah. Ok, il est plutôt fort en PCS Tonnerre, je crois qu'il est Master 200 League Points par là. Oui, c'est bien ça. Tonnerre, c'est un joueur Master qui ne joue quasiment que Yasuo, donc tout de suite, tout s'explique. Tout s'explique, le Maître Yi dans la jungle qui est Ivano farm avec le Zac. Donc normalement, un Maître Yi est censé être devant, hein, devant à peu près tous les jungles du jeu en termes de farming. Là, pour le coup, on voit que le Zac est même repassé devant. Il a une petite avance, mais il a le smite violet aussi, ça aide un peu. Sur la mid lane, c'est complètement even. Sur la bot lane, c'est complètement even également. Toute l'avance se fait sur cette top lane où le Yasuo met quand même une bonne fessée au Gnar. Le Gnar qui a rush de l'armor. C'est un très bon choix. C'est un très mauvais choix, je pense, parce que Yasuo est en train de maxer son E. Du coup, ça lui a fait des stats totalement inutiles. Il a même pas augmenté son pool d'HP et il ne pourra même pas mieux tenir la race du Yasuo. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est vrai, mais après Yasuo qui met quand même beaucoup d'auto-attaque dans les trades et les Q-spells aussi qui font mal. En fait, je pense que Gnar aurait tout simplement dû se diriger sur plus d'HP. Je pense aussi. Ça aurait été extrêmement hybride, efficace. Du coup. Exactement. Et sur la top lane, on a le maître qui veut gank, mais là clairement ce gank ne passera sûrement pas. Il faudrait tenter un tower dive là dans cette position. Le Gnar qui est sous tour, le Gnar qui est vraiment sous pression. Attention, on va tenter un go-in là-dessus. Oh, il s'est pris un très bon poke ce Echo. Et le Echo qui va désengage. On a ce Fizz qui domine très très bien sa lane. Ce Fizz qui domine un petit peu sa lane et ce Nautilus qui est extrêmement agressif. J'ai l'impression de voir cette scène en boucle. Nautilus qui engage, Tristana qui saute, et de là Tristana se fait deny du farm. Et pourtant elle n'est que 3 creeps derrière, donc soit on a un last hit pas vraiment parfait sur la Jinx, soit vraiment et bien Tristana arrive quand même à récupérer son farm. Et attention sur cette top lane, on va go directement, le Octocap qui a été placé, les énormes dégâts du Yasuo, le maître Yi qui va tower dive et on a le Zac qui va arriver, le Zac qui va sans doute récupérer le First Blood et le First Blood qui a été récupéré par le Zac, c'est très très bien joué, est-ce qu'on va pouvoir go un peu plus loin? Et le Zac qui n'a pas touché son E, attention, le Yasuo qui veut tenter l'autodive, le Q-spell qui n'a pas touché. Oh. Et un trade kill sur cette top lane, le Yasuo qui a réussi à prendre un kill. Très très bon réflexe. Attention, assez désespéré. Oh, c'est dommage, il n'a pas réussi à ulti, il aurait dû ulti plutôt pour esquiver les dégâts du Fish. Et au final, je pense qu'il va sans doute tomber sur cette top lane, attention, et non. Je pense qu'il arrive à s'en sortir, le Fish, ça flash un petit peu trop tôt. Ah, c'est dommage, là, il n'avait qu'à faire son R. Quand le Fish allait justement appliquer ses dégâts et il pouvait esquiver tous les dégâts. Malheureusement il ne le savait peut-être pas. Sur cette bot lane, toujours très even au farm, hein. On a 54 à 53. Les waves sont pour l'instant even, donc il n'y a pas de différence. Sur la jungle, on a une avance au farm côté Zac. En plus de ça, le Zac est dans 1-0-0, donc il va avoir l'avance. Attention sur la bot lane, on essaye encore de trade. Et le Nautilus qui touche quand même tous ses hooks là depuis le début. Oui, Nautilus qui joue extrêmement bien cette lane et qui pour moi est bien plus efficace que le Thresh, rien que par l'itemisation en fait. C'est ça, il peut rendre des HP à son carry AD là où le Thresh eh bien, en late game va devoir apporter un buff de movement speed. On a eu un swap lane, donc le Yasuo qui est venu sur cette mid lane, on a envoyé le Echo top, forcément le Gnar a fait de la résistance magique et le Fizz était en train de défoncer le Yasuo sur cette bot lane. Attention, on veut go sur le Nautilus qui prend pas mal de dégâts, mais l'Exos qui a été placé sur la Jinx, on va sans doute pouvoir tomber sur Nautilus, le flash out du Nautilus, est-ce qu'on va continuer? Ça me semble assez risqué. Oh, attention, faut disengage, le Nautilus qui va tomber là-dessus, un hook qui va sans doute toucher. Très bien joué de la part du Thresh, le Thresh qui touche le hook. Oh, c'est dommage, Tristana a mis le E sur un creep, malheureusement. Oui. Il n'a pas pu mettre les dégâts supplémentaires. Ah, c'est assez dommage là, sinon je pense que cette Jinx ça laisse sans doute mourir. Oh, la Jinx qui reste sous tour, c'est quand même très très greedy là-dessus. La Jinx qui va pas se prendre les dégâts du E. Et on a le Zac qui est en train d'arriver, le Zac qui veut go directement sur ce Thresh, le Thresh qui s'est fait slow par la Jinx et on va disengage directement. Pour l'instant, il y a 2-2 au niveau du score et une égalité parfaite au niveau des golds. Cette game qui est très serrée, on a quand même une petite avance au niveau des lanes de la team rouge. On voit une avance au top, hein. Enfin une avance au top. Yasuo qui est en avance par rapport à Gnar. Maintenant, Yasuo qui est grandement en avance par rapport à Gnar, qui je pense va de plus dominer cette mid lane. Par contre, les dragons qui ne sont pas contestés, c'est assez surprenant avec des jungle farmers comme Zac et Maître Yi. Et d'ailleurs, voir un Maître Yi 11-16 en retard, c'est aussi extrêmement surprenant. J'arrive pas trop à comprendre comment ça a pu se passer. J'imagine qu'il a passé un peu trop de temps à attendre des buissons, comme on l'a vu en top lane. Il passait un peu trop de temps dans des buissons à essayer de setup des ganks. Et là, on peut voir une action qui va se dérouler en mid lane. Est-ce que ça ira plus loin? Non.
très très bien dodge là-dessus, le Yasuo avec son hook. Il a très bien dodge le hook du Nautilus. Attention sur cette top lane, ça veut essayer un trade. Faudrait claquer l'ulti hein, là sur le Gnar pour le sortir de la zone potentiellement. Et attention, on veut go directement sur cette top lane. On va avoir l'ulti du Yasuo. Oh, le fish qui a été loupé. Et on a le réengage directement du Zac. Le Zac qui a loupé son Q-spell. Donc, oh, c'est dommage. Le Zac qui a loupé son Q-spell et le Yasuo qui va récupérer le kill sur ce Fizz. Et on va essayer de disengage. Et le Yasuo qui va s'en sortir. 2-1-0 sur ce Yasuo avec 87 creep. Donc, pour l'instant, un très très bon farming. On est sur une colossale avance là sur cette mid lane qui est maintenant. Enfin, sur ce matchup top lane qui maintenant est mid lane. Attention là, le Thresh qui veut tomber sur ce Nautilus qui n'a pas de flash. Ah, dommage, il a loupé le Flay. Il va toucher le hook par contre. Et on va go directement sur ce Nautilus. On a la lanterne pour récupérer le kill. Et ça va être récupéré par la Tristana. La Tristana qui prend le kill sur ce Nautilus. C'est très très bon. Tristana qui est un AD carry qui se boule énormément. Et ça lui permettra d'arriver plus vite au late game et à son power spike. Et je viens de me rendre compte, Tristana n'a pas de Doran. Tristana a dû vendre son Doran pour acheter une pioche ou une BF. Ah, c'est vraiment pas une bonne décision, mais vu qu'elle est plus ou moins bien dans sa game, c'est pas mal. Et le kill qui va être récupéré par Jinx grâce à la roquette. Ah, elle aurait pu prendre les deux si elle tuait le jungle plus évidemment le dragon. Au final, elle n'en a eu qu'un, mais bon, c'est mieux que rien clairement. Et sur cette mid lane, on continue à se trade. On n'a pas le fish sur le Fizz. Il faut mettre des auto-attaques. Là, il faut mettre des auto-attaques. Et ça va disengage le Yasuo qui va peut-être mourir. Non, le Yasuo qui va s'en aller avec très très peu d'HP sur cette top lane. On continue. Je pense qu'il a tout simplement été surpris. Il a tout simplement été surpris par l'Ignite. Une fois que l'Ignite a pop, on l'a vu un peu en panic flash. Ça ne voulait pas aller plus loin. Et les mercures qui vont être récupérés. Overstay, je pense. Les mercures qui vont être récupérées. On a quand même pas mal de CC en face. Entre Jinx, entre Nautilus, entre Gnar. Et évidemment, Fizz pour réduire les dégâts magiques. Et Fizz qui a tenté un rotate au bot. Et Fizz qui est quand même très low HP. Là, faudrait faire gaffe. Il pourrait se faire turn très, très, très rapidement. Sur cette top lane, on farm. Tout simplement, on va tenter des petites agressions. Oh, l'ulti qui va toucher. On va dans la zone pour récupérer des HP. On met d'énormes dégâts sur le Gnar qui va sauter. Mais le Gnar qui se fait slow par le smite. Et le kill qui va être récupéré par cet Echo. L'Echo qui est au final pas trop mal dans sa game. On le voit, 89 creep. 89 creep, déjà. Et un kill. Déjà un Morello, un kill, il est plutôt bien dans sa partie. Et je pense que l'erreur qui a coûté la vie du Gnar a été de flash pendant l'Alpha Strike du Maître Yi. Et Maître Yi qui part sur une BF Glaive, on part sur une agression hein, là niveau stuff. Clairement, on veut faire d'énormes dégâts. Pour le coup, je vous conseillerais pas de faire ça chez vous. Hein. Clairement, si vous voulez faire des dégâts, faites un dévoir. En plus de ça, vous allez scaler très très bien dans le late game. Clairement, le rush BF Glaive est plus que douteux. Sur cette mid lane, on va tenter un tower dive. On a plus de mana sur le Fizz. Donc là, le Fizz qui ne peut pas effectuer son E. Et on va disengage. Attention, le Zac qui go directement sur ce Yasuo. Il met l'ulti pour appliquer pas mal de dégâts. Mais là, on a la tornade sur le Yasuo. Et on va disengage directement. Le Yasuo qui tente quand même, qui grid un peu pour essayer de toucher le Fizz. Et non, ça va au final laisser tomber. Sur la top lane, on a rush, une plaque du mort sur le Gnar. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît honnêtement extrêmement mauvais. Gnar qui n'en profite pas lors de sa forme branch. J'ai l'attention, une énorme agression mid lane. Est-ce que ça va aller plus loin? Le passif qui va proc. On va toucher le passif. Donc là, j'imagine que le kill va être récupéré sans doute par la Tristana. Voilà, la Tristana qui prend le kill. Deuxième fois que Tristana décale. C'est surprenant ça aussi. Deuxième fois qu'on voit une action mid et le carry AD qui pop. Attention la roquette et ça ne va pas toucher. La roquette qui ne va pas toucher, la Tristana qui décale et qui récupère des kills. Donc là, pour l'instant, c'est très très bon. En plus de ça, elle tient au farm la Jinx. Donc très très bon taf de la Tristana pour l'instant. Le Yasuo qui a 122 creep, le meilleur farmer de la game et de très très loin. Il met quand même un sacré out farm à sa top lane initiale. Et il va continuer d'acheter. Donc il a acheté un Zell, j'imagine qu'il va faire une trinité. Attention là, le Thresh qui est quand même un peu split. On peut essayer de le focus. La Jinx qui n'a pas voulu follow, c'est dommage. Je pense que là il y avait un kill à récupérer, le Thresh. Dans quoi que le Thresh avait son flash. La Jinx qui va essayer de wave clear tout ça. La Tristana qui va push et qui va back pour acheter son IE. Et là on aura un énorme power spike sur cette Tristana. Un très bon pic de puissance. Et le Maître Yi qui rush une IE, on dirait. Rusher les dégâts flat sur Maître Yi, c'est vraiment pas la solution. Même si, ok, ton Alpha Strike peut crit, ok, t'as passé auto-attaque. Faut vraiment le jouer attack speed. Je pense que les deux meilleurs items et de très loin sur Maître Yi, ce sont BOTRK et la Yumu. Moi aussi, parce que clairement on a des procs de dégâts purs sur les auto-attaques. Et bien évidemment, si on veut faire proc plus de dégâts purs,
on prend de l'attack speed. Ça me semble évident et eh bien ça fait encore plus de dégâts. Attention, on veut tenter un trade sur cette top lane. Le Gnar qui se fait maltraiter dans absolument tous les matchups. Il est contre le Yasuo, il y a trop de mobilité et c'est un counter pick. Il est contre le Echo, c'est tout simplement un AP. C'est ça. Et lui il a rush une plaque du mort. Il ne peut. Il n'y a aucune lane en fait où il peut gagner des trades. Il va vraiment être en difficulté. Et malheureusement son choix d'itémisation n'étant pas optimal et bien malheureusement pour lui, il est vraiment dans le mal actuellement. Sur cette bot lane, on est pour l'instant sur une petite avance au farm sur la Jinx. En plus de ça, la Jinx a un item à gold, donc elle doit avoir une petite avance au gold. Mais évidemment, la Tristana a 3 kills, elle a son IE. Donc finalement, l'avance au gold doit être pour la Tristana. Vu le stuff qu'elle a, elle a quand même une IE, elle a une dague, elle a des bots. Là, on est quand même sur pas mal de stuff. Sur la jungle, le Zac qui quand même met un bon out farm au maître Yi, on est sur 10 creeps d'avance. Oh, pour est-ce qu'on partirait pas sur all-in en mid lane? On peut voir le Yasuo qui veut vraiment placer sa tornade. Oh, ça touche, l'auto-attaque avant d'appliquer l'ulti et le kill qui va être récupéré sur la mid lane. Pour l'instant, là, on prend un kill sur la Tristana en bot lane. Ça se passe plutôt bien pour l'instant pour l'équipe rouge. Le Yasuo qui snowball énormément, qui va pouvoir essayer de pressure cette top lane ou alors il veut rotate directement sur cette top lane. Est-ce qu'on va pouvoir caler le stun? Non, on va pas caler le stun. Non, ça n'ira pas plus loin. Et mais on a Yasuo qui arrive. Oh, très bien, il a cancel le jump qui a été cancel. On va pouvoir courir, on a énormément de déplacements et l'ulti qui a été mis, on le met sous tour et au final l'ulti qui va être récupéré par cet écho. Le Yasuo qui est partout, le Yasuo qui fait la game pour l'instant. C'est bien ça, le Yasuo qui fait totalement la game. Il fait en sorte de mettre son équipe en avance tout en dominant sa propre mid lane. Il faut que ça se passe comme ça. Tourelle top de récupérer, tourelle mid de récupérer. Maintenant il faudrait faire, j'imagine, une action en double TP de botlane pour récupérer la tourelle, car on a ici une compo qui n'a pas de wave clear et qui a besoin de grands espaces pour ce fight. C'est ça, une TP botlane pour pourquoi pas prendre la tour et enchaîner sur le dragon après pour continuer d'accentuer l'avance. Et sur la botlane, eh bien on va tout simplement push. On a une Tristana, ça push très 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 vite les tours grâce au E. Et la Tristana qui a level le Q spell, c'est assez étonnant. Ça offre un énorme bonus d'attack speed, mais clairement je pense que le E est mille fois meilleur. Oui, le E est bien plus puissant en phase de lane et ça te permet de profiter du burst de Tristana. Ça te permet de push la lane en plus. Oui, c'est ça, c'est vraiment pas la meilleure itemisation. Oh. Et ça ne passera pas sur un gank en bot lane, c'était vraiment à deux doigts de marcher. Et le Gnar qui continue un petit peu les erreurs. Hein. Contre la compo adverse, il fallait clairement des Tabi Ninja et non des Mercure. C'est vrai que là on a quand même 3 persos, 4 persos même qui scalent sur les auto-attaques. Donc les Tabi Ninja aurait été parfaitement rentable dans cette situation, mais les Mercure n'offrent qu'une réduction du CC du stun de Echo qui est vraiment très facilement esquivable. Et du hook évidemment de Thresh. Donc là pour le coup c'est pas vraiment optimal sur cette bot lane. On va tenter un trade peut-être et non, ça va disengage directement. Pour l'instant une avance au gold de 3k5 pour cette équipe rouge. Et je pense que à lui seul le Yasuo doit creuser une avance colossale. Oui, c'est bien ça, j'aimerais bien voir les golds, je vais d'ailleurs les regarder. Hop, on est sur une avance de, si on part du principe qu'il était top lane, 2100 gold. C'est vrai que là on a quand même une énorme avance au gold. Attention, ce Zac qui veut tenter un gang sur ce top lane, il met quand même pas mal de dégâts. On a le follow-up de ce Gnar et la zone qui va être proc. Oh, attention, on a claqué l'ulti sur la top lane et pour l'instant ça dive au bot. On a le Yasuo qui va se faire ulti, le Yasuo qui se fait knock-up sous tour, mais ça va disengage. Et oh, attention, ça réengage directement la tornade qui a touché et il va pouvoir s'en sortir ce Nautilus. Et attention, le maître Yi, non, il va pas vouloir go in. Le maître Yi qui, avec son skin project, eh bien fend le son et l'air grâce à son aérodynamisme incroyable. Et on va récupérer ce dragon. On va enlever la pique évidemment avant. Le dragon qui va être récupéré. Donc pour l'instant l'écart au gold qui est de 4k gold 4 et on va continuer de creuser cet écart. On a pris la tourbot et le dragon, donc poisson de Drake pour cette équipe rouge. Il va falloir s'orienter sur un Ashor. Ça pourrait tomber extrêmement vite avec cette compo. Oui, totalement, et surtout je pense qu'il faut finir la game relativement vite. Après le late game full item contre full item, je pense qu'il le gagne, mais le mid game risque d'être compliqué. Il faut vraiment continuer de mettre une pression et continuer ce snowball, et c'est exactement ce qui se passe. Non, ça n'ira pas plus loin. Attention, maintenant il peut peut-être se faire catch. Ah, oh, c'est dommage que le Nautilus. Ah, la riposte qui coûte très cher. Hook, attention, le. Oh, il ne tente pas son hook, le Nautilus. Il y avait Maître Yi en backline. Il y avait Maître Yi, très bien vu. Le Maître Yi qui aurait pu mettre de la pression sur cette botlane, sur ce Nautilus. Et on va continuer de push sur la botlane. On a quand même maintenant une petite avance au farm pour la Jinx. La Jinx qui a
une quinzaine de creeps d'avance pour l'instant. Il y a Jinx qui a une quinzaine de creeps d'avance et qui en plus de ça a une lame d'avarice. Ça lui permet vraiment de compenser le fait que la team adverse soit en avance et que Tristana ait récupéré 3 kills assez gratuitement. Et là je vois quelque chose qui me choque en fait, tout simplement. Je vois un cœur gelé sur Zac. J'ai très mal à mon équipe les gens. Oui. Alors là clairement Zac, bon certes le cœur gelé va être plutôt optimal disons contre la compo adverse, mais alors le faire sur Zac c'est sans doute la pire idée. On va gaspiller bien tout le stock de mana. C'est ça. Sachant que le cœur gelé fait quand même 500 de mana, c'est toutes des stats perdues malheureusement sur ce Zac. Après bon, non en fait je n'ai pas d'excuses. Désolé Zac, mais ça c'était vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Attention, on engage directement sur la top lane, on va mettre les stuns sur cette Echo et on va disengage, on ne veut pas se prendre la zone. Et on a le Yasuo qui est en train de rotate sur cette top lane. Ce qui va tenter un gank, le très bon ulti de la part de Echo pour revenir dans la backline. Et au final, le Gnar qui est juste parti en courant et il va TP sur sa tour. Oh. Le Gnar qui est très très safe là-dessus. C'est malin, franchement c'était la meilleure et peut-être la seule solution qu'il y avait d'escape ce gank. Quoi qu'il aurait pu, flash de l'autre côté, mais je pense qu'une TP est moins importante qu'un flash. Oh, attention, sur cette botlane, on va tenter un all-in sur le Nautilus qui va sans doute tomber. Non, le Nautilus qui ne tombe pas, on est à 4 au bot, le doublé qui a été récupéré. Et on a la double TP sur la botlane, on a ce Yasuo qui fait très très mal. Le Yasuo avec la double tornade, le double team, il va mettre les dégâts. Mais au final, non, le triplé qui a été récupéré par ce Fizz. On a le Yasuo qui est toujours là en train de mettre d'énormes dégâts. Est-ce que la Tristana va pouvoir s'approcher pour mettre des dégâts? La Tristana qui laisse le Yasuo absolument en 2v1. Et la Tristana, non, qui n'y a pas l'aider. Qui lance, attention Yasuo, il va récupérer sa tornade. La Tristana qui finalement arrive pour mettre des auto-attaques. Non, le Yasuo va tomber, non. Le Yasuo qui récupère le kill avec le Dragon Roll. Et Yasuo qui va le festival. Yasuo qui récupère 2 kills et il va récupérer sans doute le triplé là-dessus. Très très bien Mais joué bon, par ce Yasuo. Joué à la perfection. Ça fait plaisir de voir ça. Ah, on peut clairement propre. Voir que c'est un des meilleurs Yasuo de ce serveur européen. C'est vrai, on le rappelle, un Yasuo qui est PC Stoner, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il est Master, quelque chose comme 200-300 League Points. Donc un très très bon joueur, on va push directement sur cette botlane, la Tristana qui va mettre son E sous la tour et qui va mettre de très bons dégâts. Sur la midlane, on a le Gnar qui est en train de prêcher sur la tour, on a le Maître E qui va mettre un Q spell pour wavecar tout ça, le Maître E qui a complété son IE. Donc là, le Maître E qui va mettre d'énormes claques s'il arrive cependant, à survivre. C'est que 20%, honnêtement ça me paraît pas fou, je pense que le Maître E va encore avoir besoin de pas mal de temps avant de devenir vraiment menaçant. Le Echo qui a décidé de partir sur les chaussures du sorcier plutôt que des bottes de lucidité, donc on recherche le burst et on complète ça avec un Luden, petite agression qui va partir en botlane. Ah, attention à la transformation. Il s'est fait slow et il est mort là, il s'est fait full CC le pauvre et il ne pouvait rien faire. Malheureusement une fois que le slow a touché, eh bien on s'est pris tous les autres slow du Q-spell, de Dognar évidemment. Et c'est un des autres problèmes je trouve du stuff, médaillon, t'es extrêmement fragile. C'est ça. Ça t'offre absolument aucun HP. Et là j'ai l'impression qu'il part peut-être sur une Sunfire, peut-être sur une plaque du mort avec son itemisation. Je pense que pour plaque le coup du la mort, Sunfire. Mais après la plaque du mort ça ne procrée pas sur son auto-attaque, étant donné que c'est un range. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est un item qui se tient sur très. Je l'ai vu pas mal de fois. Je pense pas que Capsuler soit une bonne solution à ce moment-là de la partie. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Un Rondo ne se pose pas comme ça? Non, je pense qu'on va partir sur une plaque du mort. Pourquoi pas donc une plaque du mort sur ce support. Sur la mid lane, on a toujours Yasuo qui a énormément de stuff. Il est niveau 16, le plus haut level en face est niveau 13. Donc on a 3 niveaux d'avance sur le plus haut level de la team d'en face. Donc là clairement il peut, je pense, tenter des 2v1, des 1v3. Clairement il pourra complètement les défoncer. On a le Zac qui part, on dirait, sur de l'AP. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Je ne sais pas vraiment là pour le coup. C'est surprenant, un abyssal. Non, pour le coup, parce que l'abyssal ne se fait pas avec un top d'amplification. Pas du tout, en fait. Qu'est-ce qui... Attention là, le Nautilus est complètement hors de position. Le Nautilus qui va se faire catch. Et attention, le hook qui va toucher sur le Nautilus. Et le Nautilus qui va tomber sous les dégâts du maître Yi. Très très bon hook, malheureusement. Le Nautilus qui était complètement hors de position. Attention là, le Zac qui va se faire catch par cet écho. Et cet écho qui va disengage directement. On veut push sur la botlane, mais il n'y a plus de tour. Et le maître Yi qui va peut-être tomber sur le Fizz. Non, au final, le Fizz qui va utiliser son pour esquiver le hook. Et on va disengage. Donc là, il faudrait ce groupe pour récupérer le Drake qui pop dans 20 secondes. Donc je pense que là ça va être tranquillement récupéré par l'équipe rouge. On n'a aucun contest qui a l'air d'être anticipé côté équipe bleue. Je pense qu'aucun contest
est possible de toute façon. Là, actuellement, ils se font démolir en Sien Fight. C'est ça, l'équipe rouge qui a bien réussi à se mettre en avance. 7k gold d'avance maintenant et 2 dragons. C'est exactement comme ça qu'il fallait que ça se passe. La tornade qui est un petit peu mal timée, mais bon, c'est pas grave, ça n'aura aucune conséquence. Est-ce qu'on va tenter la roquette du côté de Jinx? Non, ça ne mènera pas une tentative de style. Là, je pense vraiment que l'équipe Red doit forcer le Nashor le plus rapidement possible pour clore cette partie. C'est vrai que l'équipe Red a une compo pour faire le Nashor très 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 rapidement. On a Yasuo, on a un Maître Yi, on a une Tristana, même un Echo qui met de bonnes auto-attaques. Ça peut faire tomber le Nashor très rapidement. Attention, cette Jinx qui est complètement hors de position. La Jinx qui n'a pas de flash, et la Jinx qui va tout simplement tomber sous les dégâts de Tristana. Et attention, on veut go sur ce Gnar, le Gnar qui est cessé, le Gnar qui a eu le temps de mettre son ulti. La Tristana qui jump in pour mettre des dégâts sur ce Gnar, le Gnar qui va tomber. Est-ce que ça pourrait mener un Nashor 5-1-4 là-dessus? Est-ce que cette action pourrait mener à un Nashor? C'est exactement le genre de petit catch qu'il fallait pour récupérer cet objectif. On pourrait aussi récupérer tout simplement tout à mid. On va push la mid lane qui va donc être récupérée. Et sur la top lane, on a Yasuo qui est en train de push. Il veut mettre la pression sur la T de top. Et oui, c'est ça, et je pense que Yasuo aussi était à très peu de gold de son Infinity Edge, donc sa lame d'infini, et qu'il voulait tout simplement la récupérer. C'est vrai que ça se comprend, on va essayer de pressure la tour top. Et pour le coup, il n'y a personne qui s'amorce à vouloir défendre cette tour. Les yeux qui est niveau 17. Donc là, clairement, il a encore creusé l'avance. Il a 4 niveaux d'avance sur le plus haut niveau en face. C'est clairement, actuellement, c'est un monstre ce Yasuo. Il va back et compléter son IE assez rapidement. Je pense qu'il a les gold. Voilà, il a 2700 gold en stop. On a énormément de stock en face côté équipe rouge. Il faut back, compléter ses items, atteindre les power spike et tenter une fight encore. Exactement, il y a quasiment 2k sur tous les membres de l'équipe. Et voilà, l'IE qui a été complété, là le Yasuo. IE ping quad, donc clairement très mal. Ça veut partir sur un Nashor. On compare le stuff du Yasuo et du Maître Yi et on comprend pourquoi en fait il ne faut pas faire d'IE en jungle. Hein. Là oui. Le Maître Yi qui a une IE, le Yasuo qui a 2 items de plus, dont un qui est presque qui est l'item le plus cher du jeu tout simplement. Donc il ne faut pas faire d'items aussi chers en jungle, c'est vrai que ça vous met... L'IE c'est l'item le plus cher du jeu. Rush l'item le plus cher du jeu dans un rôle, disons, utilitaire. Bon. ça va te mettre forcément en retard et en plus si tu farmes pas énormément, et bien tu vas te retrouver derrière. Et bien c'est beaucoup trop cher à compléter, tu vas atteindre tes power spikes très très tard dans la partie. Donc c'est pas forcément incroyable. On va, j'imagine, go sur ce Baron Nashor, le Maître Yi qui n'est pas encore là. Mais on va juste poser une pique et commencer à des wards tranquillement. On a le Carapateur quand même côté équipe bleue. Ouh, attention, ça veut peut-être tenter un move là sur cette mid lane. On a le Nautilus qui tente un flank. Et non, finalement, on ne va rien tenter. On va go sur ce Nashor, je pense. Pas vraiment de raison de ne pas le faire, quoique s'il y a le Carapateur qui est toujours en position. Mais là, je pense qu'ils peuvent l'engage. Et turn dès que évidemment l'équipe bleue s'approche pour les re-engage et pour les forcer à s'avancer. Je pense qu'ils ont aucune chance actuellement de perdre les fights. Ils ont aucune chance de perdre les fights exactement parce que même si la compo bleue a beaucoup d'armure maintenant et beaucoup de CC, ils ont tout simplement un manque de dégâts qui est beaucoup trop important. Et ok, c'est bien de CC ses adversaires, c'est bien d'être capable de résister à leurs dégâts, mais si tu n'as rien pour les tuer en retour, tu vas juste perdre sur le long terme. C'est ça, en plus de ça, on a quand même un petit peu de sustain en face hein, sur le Maître Yi qui a pas mal de sustain. On a des lames de Doran, bon, c'est pas quelque chose d'énorme, mais ça fait son taf sur un coup critique. Et au final, le Nashor qui pourrait être engagé là, je pense. Hein, voilà, le Nashor qui va être engagé directement par ce Yasuo, le wall qui eh bien, a été loupé, je crois. Oh, la roquette qui a été un peu piffée, ça désengage. Attention, on va peut-être pouvoir réengager. Là, ils sont un peu speed. Oh, le bon flash in, et ça va toucher seulement le Thresh, le Yasuo qui est complètement free damage pour l'instant. Le Maître Yi qui a pris énormément de dégâts, le Maître Yi qui a mis un Q-spell, le Q-spell qui a crit, c'est parfait. Wow. Le Yasuo avec le triple team, et Yasuo qui est en train de défoncer tout le monde dans la backline. Le Yasuo qui est en train de faire un taf monstrueux. Le triple kill pour l'instant pour le Yasuo. Est-ce qu'il va réussir à tuer ce Fizz? Et non, le Fizz qui n'a pas été tué par le Yasuo. On va mettre la dernière auto. On n'a pas réussi à tuer le Zac pour l'instant. Le Zac qui est toujours en vie. Le Zac qui va peut-être s'en aller. Attention, non, le Zac qui s'est fait flash in par ce Echo. Et pour l'instant, c'est un 4, un 3 pour. Un 2 pour 5, pardon. Pour l'équipe bleue. Pour l'équipe rouge. C'est un 2 pour 5 qui va certainement mener à un inhibiteur, que ce soit mid lane ou top lane. Quoi qu'ils se sont séparés, je pense qu'ils auraient dû rester coupés pour être sûr de récupérer l'un des inhibiteurs. Est-ce qu'on aura quand même le temps de prendre une tourelle en mid lane? On sait que Tristana s'approche extrêmement vite la tourelle. Je pense qu'on va l'avoir. Ça m'a l'air d'être bon. On va et on a la TP directement sur la top lane de ce Gnar pour empêcher de prendre la tour. Je pense que pour le coup, tu as acheté juste des home guards, ça faisait pareil. Et bon, c'est dommage, la TP qui a été utilisée. Le Echo qui va counter jungle. Pour répondre à ta question précédente, Chap,
Le Zac a donc fait un déguisement hanté. Ah, ça se tient, ça se tient. Ça se tient, mais du coup, la cape du néant qui reste là toute seule, je comprends pas bien. Je comprends pas bien, surtout que ben, les dégâts en face, c'est AP, c'est Echo, c'est pas non plus énorme. Là, clairement, on l'a vu sur ces teamfights, hein, c'est le Yasuo qui a fait le taf. Je pense que pour le coup, une Thorn Mail, donc une côte épineuse, aurait complètement fait le taf contre cette équipe. On a Yasuo, on a Maître Yi, on a Tristana, et pour l'instant, on a presque pas de sustain en fait en face. Le sustain a été acheté très très tard. Le sustain a été acheté très très tard, comme tu le dis, Chap. Et est-ce qu'on partirait pas sur un rush rusher? J'ai cru, parce qu'on a vu que le Echo a back sous les yeux de l'équipe adverse, mais après il a quand même son TP de up et une forte mobilité grâce à ses homeguards. Là vraiment, l'équipe Red, on parle de bientôt 12k gold d'avance. Il est temps de finir cette partie. C'est ça, il est temps de finir la partie. On a récupéré un Phantom Dancer sur le Maître Yi. Donc là, il va commencer à mettre de très très bons critiques. Évidemment, l'attaque speed qui est très bonne. Et en plus maintenant, vu qu'il a une IE, eh bien, les critiques sont très bons sur son personnage. On peut toujours essayer de go sur ce Baron Nashor, là, le Yasuo qui a enlevé 3 wards avec son cleaner. C'est très très bien joué, attention on veut go sur cette top lane. Est-ce qu'on va réussir à prendre le kill? Le stun qui va toucher, non le stun qui ne va pas toucher. Est-ce qu'on va toucher le Q-spell? Et on se fait catch par le Fish. Oh, c'est très, très bon, le très bon hook et la triple tornade. C'est très bien joué, le quadruple knock-up. Et on va pouvoir mettre les énormes dégâts directement dans la backline. On a Izu qui arrive à mettre d'énormes dégâts. Le Zac qui arrive lui aussi à faire de très bons dégâts dans la backline. Mais ça va évidemment pas suffire étant donné que ça reste un tank malgré tout. Et là le très bon knock-up de la barre de Thresh qui a été link par l'ulti d'Yasuo, c'était très très bien joué hein. C'est un ace, est-ce qu'on va chercher à backdoor la tourelle mid lane? On sait qu'il ne lui reste plus beaucoup d'HP. Qui va se décider pour tanker cette tourelle? Et c'est le Yasuo. Est-ce qu'on partirait pas sur le fin de game? Non, on peut absolument pas tanker de tourelle. Je pense que ça va faire inhibiteur Nashor ou inhibiteur Drake. On veut prendre le double inhib directement. On a une Tristana, c'est vrai que ça push très très vite. Attention, Yasuo, il ne faudrait quand même pas mourir là-dessus. Oh. Et c'est bon, on va récupérer, je pense, le double inhibiteur. On a 2 secondes. Là, voilà, la Jinx est up, mais le temps qu'ils sortent de leur base, eh bien, ils ne pourront rien faire. Attention, Nautilus qui arrive avec des homeguards sur ce Maître Yi qui n'a plus d'ultime. Est-ce que ça va chercher à l'engager? Non, il est beaucoup trop loin là. Le Nautilus, en plus de ça, il n'a pas de bot de mobilité, donc je pense pas qu'il pourra récupérer. Attention, le kill qui va être pris sur ce Yasuo. Et ce Yasuo qui tombe là-dessus a un des pires timers. Ça pourrait coûter extrêmement cher. Ça pourrait coûter un Nashor plus un Drake. Là, pour le coup, je pense que le Nashor pourrait être engage. Côté équipe bleue, il n'y a pas vraiment de contest possible. Côté équipe rouge, tout le monde était low HP et on a seulement le Maître Yi qui est là pour essayer de défendre ce Nashor. Et on l'engage, on le voit, cette équipe bleue qui est en train de faire le Nashor. Et on a TP botlane directement de la part de ce Echo. On veut laisser tomber le Baron et on veut push directement cette botlane pour essayer de prendre un inhibiteur en retour. Et attention, le Fish qui touche et le Maître Yi qui ne savait pas qu'il était wardé. Et au final, il va tomber sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ah, et cette roquette qui donne presque un comeback à l'équipe bleue. C'est ça, la roquette qui a complètement fait le taf. Attention là, le Echo qui n'a plus de dash et le Echo qui va tout simplement mourir. Non, il est revenu sur sa position pour pouvoir Zonia dans sa zone pour avoir des HP supplémentaires. Ah, quand mais même, ça ne va pas suffire. On parle de 3 kills à la suite pour l'équipe bleue, plus un Baron Nashor. Mais le problème, c'est que l'écart au gold est déjà beaucoup trop creusé, qu'il y a tout de même 2 inhibiteurs de prix et que pour l'instant, la Tristana a récupéré le 4ème dragon. Voilà, il y a toujours 11 items, 4 dragons. Donc maintenant, le prochain baron, s'il y a un prochain baron, va tomber extrêmement vite. En plus de ça, on est sur une compo full AD, DPS. Côté équipe rouge, donc évidemment sur un Baron Nashor ça peut aller très très vite. Et on voit le Yasuo qui a complété sa soif de sang. Il a 4 items et il part sur un item défensif. Peut-être une pas une Banshee, l'autre. Un visage spirituel. Un visage spirituel, non, exactement. Je pense pas que ce sera récupéré sur Yasuo. C'est pas le genre de personnage qui achète ce genre d'item bruiser. Je pense vraiment qu'on va s'orienter vers une Banshee pour le côté je veux protéger, je suis un carré. C'est vrai, en plus de ça, Yasuo ne scale pas vraiment sur la CDR, scale plutôt sur la tactique pour réduire ses CD. On va push directement sur la botlane, il faut faire attention, on n'a pas la TP sur Echo, mais on a la TP sur Gnar. Gnar qui vient d'ailleurs de passer en mini Gnar, donc on n'aura pas de timing d'engage avant une trentaine de secondes. On veut essayer de backdoor la tour, mais on a les creeps, hein, on a toujours les creeps qui sont très 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 loin, et le Maître Yi qui va push tout ça. Le Maître Yi qui a bientôt sa soif de sang, donc il va commencer à mettre de sérieux dégâts dans la backline de l'équipe bleue. Et on n'a toujours pas de Thornmail. Pour le coup, je pense que la Thornmail aurait pu win une game à elle tout seul.
Oui. Et on n'en a toujours pas côté équipe bleue. C'est assez dommage. Hein. On n'en a pas une alors que du côté de l'équipe Red, quasiment tout le monde a acheté son vol de vie. Là, ils ont même pas de quoi tenir leurs dégâts en fait. Et là, est-ce que Yasuo va partir sur une engage? Non, il va pas partir sur l'engage, mais il va mettre quand même de très bons dégâts sur ce Gnar. Le Ktokem qui va peut-être passer, non. Le Thresh qui a utilisé son up en le mid-air. Et attention, Ilzonia et la Tristana qui se prend quand même les dégâts de la OE. Peut-être une roquette. Non, on n'a pas la roquette et on a le slow qui est proc. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer le kill? Oui, on récupère le kill sur ce Thresh. On a les resets sur cette Jinx. Et oh, le triple Ktokem qui va popper le double kill instantané de la part de ce Yasuo. Le Yasuo qui va continuer. Le Yasuo qui va go directement sur cette backline, le triplé qui a été récupéré. Est-ce qu'on va pouvoir tuer ce est-ce que peut-être on va pouvoir avoir le pentakill? Non, ça me semble beaucoup trop compliqué là-dessus. Ah, peut-être non, finalement on n'aura pas de pentakill et je pense que la game va se terminer là-dessus. On a récupéré un ace. Il reste Echo, Maître Yi et Yasuo en vie. C'est impossible, ils vont prendre la base en moins de 5 secondes et ça va être une victoire de l'équipe Red avec un Yasuo qui a extrêmement bien joué. Et le Yasuo qui a complètement carry son équipe, c'est vrai qu'après le reste de l'équipe était quand même plutôt bon, mais le Yasuo qui a clairement fait la différence et l'équipe Red qui s'impose dans cette community game. Bien joué à eux, bien joué évidemment à Tonnerre, le Yasuo hein, qui a fait un très bon taf.